Et bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce samedi de l'ennui. Bon, j'aurais enlevé en fait mes commentaires par-dessus la cinématique d'intro parce que j'étais mort de rire tout le long. Quel abus ce jeu, mais c'est ça que j'adore en fait. C'est que autant je me plaignais, alors souvenez-vous dans Dead to Rights, non pas du tout, Death by Degrees, voilà, avec Nina Williams, je suis assez vénère du traitement qu'on donne à Nina Williams parce qu'à la base, c'est un personnage intéressant, et ils en font qu'une poupée, si tu veux. Alors que ces personnages-là, dès le début, c'était assumé direct que c'était que ça. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ce jeu, parce qu'il assume son délire jusqu'au bout. Franchement, oh, les meufs, ils te font genre, elles vont s'embrasser, bim bim, il y a une glace entre les deux, n'importe quoi. Et ce jeu est interdit uniquement aux moins de 12. Seulement. Donc c'est pas un truc qui est choquant, hein. C'est juste un petit peu subjectif, suggestif, suggestif. Donc là, les personnages que l'on voit à l'écran, c'est Zack et sa femme, je crois. Je crois que c'est Zack et sa femme. D'ailleurs, il me semble que Zack, c'est la voix de Dennis Rodman. Voilà. En tout cas, dans le 1, c'était ça. Et ils sont en train de... Donc Zack, c'est un personnage de Dead or Alive, bien sûr, qui à la base se bastonne. Et qui là est en train de tirer un missile. Bien sûr. C'est ça que j'adore dans ce jeu, ces gars. Ils en ont rien à foutre. Vas-y. Tu veux qu'il tire un missile qui fait venir un vaisseau extraterrestre qui fait sortir une île de dessous l'eau? Mais vas-y. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Et c'est exactement ce qui se passe. Une île qui était enfouie sous les eaux ressort avec bien sûr une statue de Zack dessus. C'est n'importe quoi. Mais c'est parfaitement exécuté. Et ça, j'aime bien. Alors, je vous rassure, Zack, c'est le seul personnage masculin que vous allez voir dans ce jeu. Donc, ça y est, on le verra plus. Y a plus rien, on verra plus. Alors, faudrait que je fasse gaffe aussi aux droits d'auteur, parce que dans ce jeu, il y a des musiques qui sont cool. Et voilà, et donc on a le choix avec toutes les dames. Il y en a 9, c'est ça, hein, je crois. Il y en a 9, donc on a bien sûr. Ça ressemble à un visual novel au début. Hein. Tu te dis, voilà, t'as tout ce qu'elles aiment pas. Non, il n'y a pas ce qu'elles aiment pas, tu vois. Les mensurations, évidemment, c'est important. L'âge est inconnu pour la plupart d'entre elles. Pour trois d'entre elles. Pas la plupart, mais je sais pas pourquoi l'âge est inconnu. Pour les japonaises, en fait. Ouais. L'âge des japonaises, c'est tabou, peut-être. Autant leur mensuration, non, mais l'âge, peut-être. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est bien sûr tous des persos de Dead or Alive, le jeu de baston. Hein. Elles se battent. Hein. Elles, normalement, elles font voilà, des trucs. L'art japonais, je me souviens plus du nom. Elle, c'est une catcheuse. Bon, elle, c'est une Allemande, je sais plus comment elle se bat, mais elles sont censées toutes se battre, hein. Mais pas dans le jeu. Non, c'est pour ça que je vais vous montrer en fait à quel point je me suis fait chier avec ce jeu. C'est-à-dire que j'ai toujours été fasciné par le vide que contient ce jeu. Voilà, donc. Pour voir, donc là, la tenue qu'elle a, c'est une tenue spéciale. Hein. C'est parce que j'ai été assez loin dans le jeu pour lui offrir pour qu'elle la mette. Parce que d'habitude, elle met pas ça. Donc là, oui, on propose, dès que je démarre le jeu, de faire équipe avec une meuf. Je dis oui. Parce que en ayant fait équipe avec quelqu'un, on va pouvoir jouer à des jeux ensemble, notamment Witch Volley. Et c'est un peu ça toute la quintessence du jeu. C'est-à-dire que tout le reste, c'est vide. Il y a que le jeu de volley qui est sympa, mais qui. Pas assez long pour qu'il y ait quoi que ce soit, si tu veux. On va montrer tout de suite avec un bon petit beach volley. Ça, j'aime bien. Ça c'est ma partie préférée du jeu, c'est le volley. Le volley est très bien fait. Il est cool. Il est ce qu'il faut, tu vois. Maintenant, bon, la musique, si elle est copyrightée, tant pis. J'espère juste que je serai pas bloqué, tu vois. Mais voilà, donc nous y sommes. Engagement, c'est parti. Donc, ça se joue simple, ça se joue à deux boutons. Et selon comment t'appuies, ça réagit différemment. Putain, Tina, ça sert à quelque chose. Putain, mais n'importe quoi.
Bon, évidemment, c'est pas moi qui contrôle l'adversaire, donc, enfin, mon partenaire, je veux dire. Donc, allez, le smash. Non, dommage. Monte au volet, au filet, pardon, au filet. Allez, donc il y a trois manières d'engager. Moi, celle que je fais, c'est l'engagement smash, évidemment. Oh, le contre, vas-y, elle m'a éclaté. Pourquoi, je sais pas pourquoi mon personnage a des pompes. J'ai dû lui en mettre, je sais pas. Vas-y. Voilà, l'engagement cuillère, comme elle vient de faire. Qui est l'engagement le plus naze. Oh, quel contre! Et si tu sautes au bon moment au filet, évidemment, tu peux faire le contre, et c'est point pour toi. Voilà, là, on a le bon bout, là. Regardez, hop, elle se fait une passe. Petit contre. Bon, de toute façon, elle était trop loin pour faire quoi que ce soit. Là, on les tient, là. Et voilà, et le service volé. On a vu les trois services. Bim! Oh là là, je suis impérial au filet, là. Je suis impérial. Franchement, je joue rarement aussi bien que ça. Voilà, d'habitude, voilà, c'est plus mon jeu, ça. Ça, c'est plus mon jeu. Voilà, et c'est en fait, là, vous voyez, j'ai appuyé longtemps sur passe, ce qui fait que j'ai fait une passe vers le filet pour qu'elle aille se matcher. Je peux aussi faire passe tout court, qui va simplement nous... Voilà, tu vois, j'ai fait passe tout court, ça l'envoie juste sur elle. Putain, sauve-la, celle-là. Ça joue en 7 points. Allez, monte au filet, le smash, c'est terminé. Voilà. Et voyez, en bas à droite, on voit le pognon que je ramasse. Voilà, là je ramassais, j'ai 500 000 balles. Non, j'ai que 52 000. Non, j'ai 500 000 balles, si j'ai bien vu. À quoi sert cet argent? On a trois... où c'est? On a trois magasins. Un magasin d'accessoires, où tu peux voir que les trucs sont assez chers. 200 000, c'est un peu cher. Bon, le reste, c'est pas super cher et tout. Tu peux acheter du vernis, ce qui sert pas à grand chose. On s'en fout un peu. Ce qui compte, en fait, dans ce jeu, et c'est carrément écrit sur la boîte, hein. C'est ce que tu dois faire, en fait. C'est acheter des maillots de bain. Voilà. Donc là, on a quasiment... Enfin, 1 million. 1 million, ce truc-là. Et vous pouvez voir, en fait, il y a un logo juste en haut à gauche du... De, vous savez, de l'icône, là, enfin, de truc qu'on voit tourner. Ça veut dire que je le possède. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, je me suis fait chier avec ce jeu, quand même. Donc, allons voir mon inventaire. Vous voyez que j'en ai quelques-uns. Donc ça, celui que j'ai actuellement, c'est... Merde. Celui que j'ai actuellement, c'est celui de base, celui que t'as dès le début. Qui est... Ça galère à charger le truc, hein, putain. C'est celui de base que t'as, qui est pas ouf. Et voilà, et après, tu peux acheter des trucs qui sont plus ou moins chers. Celui-là, je crois que c'est un des plus chers. Ah non, c'est pas un des... Non, lui, c'est un spécial, c'est un bonus. Et comment voir si il nous plaît ou pas? On a un endroit qui est ici. Et on peut voir. Voilà. Tiens, d'ailleurs, les pompes, tu peux les enlever. Je dois avoir ça dans les accessoires. Attention, hop, enlever. Voilà. Je peux mettre ça aussi, je peux mettre ça. Oui, il n'y a rien. Je suis d'accord, il n'y a que dalle. Voilà. Et là, on l'a peint, c'est cool. Et donc, cet endroit, donc, je ne sers juste qu'à regarder. Enfin, en gros, voilà, le jeu assume complètement son délire. C'est juste pour mater, quoi. C'est ça, le jeu. Mais, moi, comme j'ai envie de voir ce que c'est le jeu. C'est bon, je ne vais pas acheter tout ce qu'il y a là-dedans. Bien sûr, on peut acheter des trucs et faire des cadeaux aux meufs. C'est ce qu'il faut faire, en fait, parce que si tu fais des cadeaux aux meufs, tu... on peut en faire ta partenaire pour jouer au volet avec, tu vois. Mais comme au début du jeu on t'en propose une, bah ça sert à rien de le faire. Par contre, faut pas perdre, parce que si tu perds trop au volet et tout, bon, elle va commencer à faire la gueule, elle va se barrer. Voyons voir, il y a d'autres jeux qui sont tout aussi intéressants. Le saut de piscine. Donc en gros, vous allez voir, il y a des trucs dans l'eau là, qui sont d'une certaine couleur, il faut appuyer sur la couleur de ta manette en fonction. Vous voyez ? C'est sur Xbox, hein, je rappelle. Donc là, et donc, selon la disposition du truc... Pourquoi je joue avec elle? J'ai une partenaire. Bon, c'est pas grave. En fait, selon... Voilà, si, là, je peux sauter plus loin parce que je reste appuyé dessus. Et pour faire un court, faut que j'appuie juste court. Allez, bim, je l'ai niqué. Et pognon. Bon, vous voyez, aussi, ça, c'est le gros atout. Vous les avez vus bouger. C'est le gros atout du jeu. Et c'était surtout... Bah, comment dire... Marketingment parlant, c'est ce qu'ils ont mis en avant. Parce qu'en fait, ils ont fait un moteur pour chaque. C'est pour ça que ça bouge comme ça différemment. Et...
Et c'est un carton au Japon, ce jeu. Putain, j'ai acheté le Tiger Shark. Ouais, tu peux aussi acheter des jet skis qui coûtent très cher et je l'ai fait. Donc ça peut prouver à quel point je me suis fait chier dans le jeu. Bien sûr, là, je rejoins la course marine parce que j'ai une partenaire. Si je n'en avais pas, j'aurais pas pu. Je sais absolument plus comment on joue, c'est pas grave. Casse-toi, merci. Donc évidemment, faut passer à gauche et à droite des balises selon la flèche qu'on voit. Et j'ai trois boosts. Ah ouais, ce Tiger Shark, il est pété. Allez hop. Alors je peux aussi faire des petits moves. Il n'y a pas un truc, normalement je peux... Comment on fait déjà? Merde. J'ai raté mon coup. Ah voilà. Je peux me la raconter grave en faisant du reverse. Alors je sais absolument pas si je suis premier ou pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup trop de boost pour pouvoir perdre ce match. Ce duel. Hop, petite vrille, et bim. Et ça gagne. Voilà, et tu fais des bonus points et tu ramasses de l'argent. L'argent ne sert uniquement qu'à ça, c'est les maillots de bain. Et le reste, tu vois, mais le reste, on s'en fout. Et là, vous allez voir, parce que, alors vous l'avez vu, tu peux choisir ton hôtel, ça sert à rien, ça change que dalle. Chaque jour, tu reçois un cadeau de Zach, mais parce que c'est Zach qui a organisé tout ça, hein. Et éventuellement un cadeau de ta partenaire si elle t'aime bien. Là, non. Je peux offrir un cadeau également, j'en ai. Bah, vas-y. Je peux même offrir le cadeau que Zach vient de m'offrir. Allez, tiens, prends. Il y a l'album photo, ça on y reviendra après. Voir votre collection, c'est ça. Vous avez vu dans les autres jeux à quel point je suis collectionniste et tout. Ce jeu va très long. Donc vous pouvez voir là, c'est en jaune, pourquoi? Parce que je l'ai rangé dans ma collection, ce maillot de bain. Et regardez le nombre qu'il y en a que je n'ai pas. Hein. Il y en a 4 par rangée, ça fait 4 et 8 et 8 et 16 et 16 et 3, 19. Donc il y en a 20 par truc. Ouais, j'en ai un par là, un par là. Ouais, j'en ai quelques-uns. Ouais, j'en ai par là, tu vois. Regardez tout ce qui me manque. Et là, on va arriver... Voilà, ici. Ça, c'est les maillots de bain que je peux acheter quand je joue ce personnage-là. Quand je joue ce personnage-là, elle a des trucs qui sont à elle, tu vois. Et donc, t'achètes ça. Donc, moi, je les ai tous pris. Je les ai tous eus. Très bien. Et là où le jeu va loin, et complètement taré, complètement fou, c'est qu'en fait, tu dois jouer les autres... Toutes les autres, les 8 autres, et faire des cadeaux à celle-là pour lui offrir tous les autres. Il y a 15 pages avec 20. 15 fois 20, 10 fois 20, ça fait 200. 5 fois 20, ça fait 100. T'as à peu près, ouais, t'as un peu moins de 300. Il y en a un peu moins de 300. C'est-à-dire que, et attention, là je parle que pour une meuf. Si tu veux finir le jeu à 100%, tu dois le faire pour les 9. Il faut y mettre combien d'heures là? Faut y mettre 150 heures dans le jeu pour faire ça? Parce que je vous jure, j'ai joué longtemps à ça. Pour obtenir tout ça, j'ai joué longtemps. Parce que j'ai fait les accessoires aussi. Les accessoires, ça va, c'est plus simple. Parce qu'ils tombent assez souvent. Par contre, je les ai pas tous. Hein. Vous pouvez voir qu'il m'en manque quelques-uns. C'est abusé, ce jeu. Ce jeu est abusé. Les objets, je crois que je les ai tous. Les objets, c'est ce qu'on trouve dans le troisième machin. Tu peux tomber... Et non, il m'en manque un, mais ça doit être le dernier truc de la toute fin, je sais pas quoi. Le jeu va beaucoup trop loin. Sinon, comme vous avez vu, le beach volley, c'est le truc pour gagner le plus d'argent le plus facilement. Mais il y a plus ça. On peut gagner plus avec le casino. Où on a les machines à sous qui... Bon, t'as les machines à sous de base, celle-là, vous pouvez voir. On gagne 200 fois ta mise, c'est pas... incroyable. C'est pas de fond. Ouais, voilà. Et t'en as des autres qui sont légèrement plus lucratifs. Hein. 1000 fois ta mise. Mais j'ai pas assez d'argent pour jouer à cette machine. Pour vous dire, il faut avoir au moins 1 million pour commencer à jouer. Parce que franchement, tu perds beaucoup trop d'argent dans le jeu. Et ça joue de la manière suivante. Hein. Tu mets. Et ça part. Et tu perds, évidemment. Parce que c'est ça, le jeu. Non, pourtant, j'ai mis 1000. T'as le blackjack. Bon, bien sûr, les machines sous. Mais moi, ce que j'aime, c'est le poker. Parce que c'est un poker simplifié. Très simplifié. On va pas chercher plus loin. Donc, tu mets...
D'accord, donc j'ai de la merde. J'ai de la merde, j'ai même pas joué une couleur, là j'ai que dalle. Bon, je suis. En plus, c'est moi qui ouvre, donc voilà, elles suivent et tout. Quand tout le monde a suivi, tu gardes tes cartes que tu as envie de garder. Je vais garder celle-là pour la vanne. Oh putain! À un truc près, j'avais tout. À un truc près, j'avais une couleur. Ou une suite. Ouais, donc, alors, vous entendez l'accent qu'on a entendu, c'est Elena, parce qu'elle est française, en fait, donc elle a un accent français, c'est logique. Ouais, je jette. J'ai pas suffisamment d'argent pour vous montrer ce que je voulais faire, mais on va voir après. Bon, elles ont pas beaucoup joué, donc quand tout le monde suit, showdown, on voit qui a le meilleur truc. Tu vois, j'ai bien fait de pas y aller. Parce que si j'y allais avec une carte forte, j'y avais pas, donc ça passe. Essayons d'avoir du jeu. Bon, j'ai une paire, c'est deux. Le jeu est simple, hein. Une paire en général, ça peut suffire pour gagner. Et je vous suis. Vas-y. Tu changes tes cartes. Voilà. Le jeu sait, hein, quand il y a une paire, tu gardes, donc vas-y, change. Bon, c'est un peu de la merde. Bon, elle joue petit. Donc moi, ce que je fais, j'envoie la max. Attention. L'argent. J'aligne l'argent. Je mets 300 000. Elle suit pas. Merde, elle m'a suivi. Et là, bon, bah tu pries. Yes. Et allez hop, vous voyez, 700 000 balles. Et bim, je passe à 1 million. Donc, en gros, le poker, c'est... Parce que le poker, c'est le truc le moins hasardeux. Qu'avec le blackjack et tout, c'est le truc le moins hasardeux pour gagner plein de pognon très vite. Il y a la roulette aussi, mais la roulette, c'est tellement du pif. Et quand tu mets, vous voyez, ceux-là, les mises initiales sont énormes, elles sont de 50 000. Tu peux aussi mettre des mises initiales à 100 ou 500, mais tu gagnes rien, quoi. Bon, j'ai une paire, c'est pété. Quand elle met autant, ça sent pas bon. Et moi, comme je suis un fou, je vais au maximum. Le maximum, c'est 500 000. Pour la faire craquer, en fait. Putain, alors si elle m'a suivi à 500 000, c'est qu'elle a quelque chose. Putain, elle a bluffé! C'est une malade. Et bim, 1 100 000! 1 100 000, je lui ai mis. Tiens, limite, je vous ai montré le début du jeu, mais j'ai envie de faire une vidéo que là-dessus. Le poker, c'est génial. 4, 7, 6. Si j'ai un. Non, c'est nul. Tu vois, et tu peux passer direct, évidemment, si tu vois que ça va nulle part, tu fais aller. Démerdez-vous, tu les laisses jouer. Je pense que je vous ferai une vidéo uniquement là-dessus. Voilà, elle va les faire craquer, là. Putain, elle a suivi... Comment elle s'appelle, elle, déjà? Non, Christy, c'est pas elle. C'est pas Christy, elle, c'est... Merde, ah, j'ai la boîte. Lisa, bah c'est écrit, là. J'ai la boîte qui était trop loin. Enfin, voilà, vous voyez le délire. Fais voir le blackjack, parce que j'ai jamais joué, finalement, au blackjack. Vous voyez, la mise, tu peux mettre 5000 ou 10 000 direct. Par à 1000. Fais péter, parce que ça, j'ai jamais joué. Ah, tu peux doubler. Bon, vas-y, fais péter. Toujours un problème de... C'est pas grave. D'accord. Donc, elle a 16. Moi, j'ai 13. Moi, j'ai 11. Double mise, tiré. Carte. 15. Encore. Et trop. Allez. C'est un peu le problème, c'est qu'il faut faire 21... Bah tiens, la banque a fait péter tout le monde. Ah, mais en fait, ce qu'on voit chez les meufs, c'est ce qu'elles ont gardé. Putain, la 18, quoi. Ouais. Et là, je double mes gains. Bref, c'est intéressant. À 10 000, ça doit être quand même un peu plus tendu. Tu vois, un peu plus suspense. Allez. Ok, tirer. Bon, je garde. Mais là, c'est très risqué. Garder un 17, franchement, c'est risqué. Hein. Putain, voilà. Elle claque un 20, je suis baisé de 10 000. Et donc, tu peux aller jusqu'à combien? Ah ouais, tu peux mettre 100 000 d'un coup?
Allez, fais-moi péter un œuf. Ah, cette chance insolente. Allez hop. 200 000 dans la poche. Voilà. En gros, c'est ça. Est-ce que... Merde. Non, pas 200 000, j'ai 2 millions, non? Non, j'ai 200 000. Vous savez, je peux y jouer à ça? Tu vois? Si, si, tu peux perdre très gros. Il suffit d'avoir une explosion là, et ça y est, t'es mort. Bim! Qu'est-ce que je disais? J'ai perdu 1 500 000. Oh là là, là, ils m'ont pas gâté. Hein. Bon. Allez. Good night, Hayate. Oh là là, quel enfer cette machine, putain, je te jure. Ah bah tiens, bah, Tina fait la gueule. Elle a dû pas kiffer le cadeau que je lui ai envoyé, donc elle a quitté l'île, ouais. Donc là, le problème, c'est que comme j'ai plus de partenaires, je suis obligé d'aller faire des cadeaux à une d'entre elles. Donc en fonction de ce qu'elle aime, pour savoir ce qu'elle aime, c'est simple, c'est dans le manuel. Pour avoir... ouais, une chance d'avoir pouvoir jouer au volet. Vous voyez, je peux plus jouer au volet, je peux jouer au jeu de drapeau. Mais je suis nul au jeu de drapeau. C'est un jeu de masturbation de manette et j'y arrive pas. Je suis nul à ça. En plus, il faut pas faire un faux départ parce que dans ce jeu, t'as pas le droit à l'erreur. Ah, vous pouvez voir que j'ai déjà joué avec elle parce que... bah, on a la même tenue. Donc, ça veut dire qu'on a déjà dû faire des trucs ensemble. Merde, bon, déjà, je suis parti un peu tard. Et de toute façon, j'arrive pas à ce jeu. Ouais, laisse tomber, quoi. Oh, la douce qu'elle m'a mis. Ah, c'est Pékin Express, le truc. Non, j'arrive pas. Et donc, voilà, bah... comment vous dire que j'ai fait le tour du jeu, là? L'intégralité du jeu, c'est ça. Y a rien d'autre à faire. Je crois que ça dure 15 jours. T'as 15 journées. Divisé en 4 parties, je crois. T'as matin, journée, evening et le soir. Mais le soir, tu peux rien faire. Donc, t'as trois opportunités. Et t'as rien à faire. Carrément rien. Il y a... Fais voir ça. Se reposer. T'as ce truc, se reposer. À quoi ça sert, en fait? Et ça, c'est pour les amateurs de photos. C'est que tu peux faire des photos. Le truc, c'est que moi, je suis absolument naze en photo. Déjà, j'arrive pas à faire la mise au point. Mise au point! Merde, comment on fait la mise au point? Voilà, comme ça. Et donc tu peux faire des jolies photos, genre... merde. Merde. C'est du flou artistique. Comment j'enlève le flou? Ah, voilà. C'est une super photo. Donc là, en plus, j'ai l'appareil super sophistiqué, machin et tout. Par contre, à contrôler, c'est un enfer. Le truc, c'est... Le problème, c'est que, voilà, c'est un truc qu'ils ont rajouté dans... Parce que là, c'est le 2. Dans le 1, je sais pas. Mais dans le 3, ils ont rajouté le truc de pouvoir faire pause. Tu peux faire pause pour faire des photos, et ça, c'est beaucoup mieux. Parce que, vous voyez, là, on peut aller voir... non, ça va pas être là-dedans. Ouais, je vous montrerai juste après les photos que je viens de prendre. Elles vont être pourries. Mais pourries à un niveau. C'est où qu'on peut faire... Voilà, parce que j'ai acheté, bien sûr, les jeux à débloquer, et t'as le toboggan aquatique, qui est sympa, je n'ai jamais réussi à le finir, parce que je comprends rien. je comprends rien. Je comprends rien à ce jeu, enfin bref. Voilà quoi. Ouais. Donc, il n'y a vraiment rien à faire, et donc, se taper le jeu, il faut se le taper, mais... 100 fois de suite pour envoyer tous les maillots de bain à... Parce qu'en plus... Ah bah voilà, ça veut dire qu'elle m'a rendu mon cadeau. Elle est pas contente, donc elle me l'a rendu. On peut les ouvrir, hein. Je suis curieux de voir, en fait, qu'est-ce que je lui ai envoyé. Oh, des sushis, quoi. Ouais, ouais, je sais même pas qui c'est Hayate. Il doit être son frère. Super. Donc ça, c'est un maillot de bain que j'avais dû essayer d'offrir à quelqu'un. Certainement. Tu vois ? Donc du coup, le chef-d'œuvre. Alors, ouais, bon, ça, c'est des photos que j'ai essayé de prendre, vous voyez. J'ai toujours essayé de faire des trucs. Mais vous voyez, j'arrive pas à cadrer, j'arrive pas à faire le flou. Enfin, à enlever le flou, c'est une galère. Tu vois, pour le coup, c'est sympa, tu vois. J'ai réussi à faire une photo pas trop mal. Des trucs, tu vois. Bon, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai fait là-dedans ?
Ah, c'est sympa, tu vois, j'ai réussi à prendre des trucs pas trop mal. Tiens, j'ai réussi à mettre le noir et blanc, je sais même pas comment j'ai fait. Je sais pas. Ouais, tu vois, il y a des trucs qui sont moins bien, tu vois. Ça, c'est quand tu achètes de la crème solaire et qu'elle en met, ça fait cet effet-là. Genre, pouvoir magique. Je sais pas pourquoi. Voilà, par exemple, ça, c'est pas très bien cadré, tu vois. Il y a du flou. Je suis pas un pro du tout. Où sont celles que je viens de prendre? C'est bien. Ouais, je vais faire la coupe de magazine avec ça, moi. J'ai pris des super photos. Voilà. Ça, c'est typique, moi. Je comprends pas cet effet de flou. Je n'arrive pas à l'enlever. N'empêche, on peut voir que c'est tout le temps les mêmes maillots. Je me suis pas fait chier non plus la bite. Aller fringuer toutes les 3 secondes, mais ça marche pas. Moi, j'arrive à rien. Voilà. Donc, en gros, c'était le tour d'horizon de ce jeu. Il n'y a rien à voir. Par contre, je ferai une vidéo sur le casino. Je vais aller farmer l'argent. Je vais farmer de l'argent et après, je ferai une vidéo sur le casino parce que franchement, il y a moyen de s'éclater.